dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai lancé un fonds d'investissement en immobilier et en placement financier. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que cette vidéo va t'intéresser et tu vas en tirer pas mal d'informations qui peuvent potentiellement t'aider à passer au niveau supérieur. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de liker cette vidéo car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître à un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Cancun où je suis venu voilà, un peu fêter l'année dernière qui a été juste incroyable. Et voilà, juste me reposer, profiter des proches, penser un peu sur le long terme, les objectifs, etc. Donc c'est pour ça que je me trouve ici. Et justement dans cette vidéo, je vais te faire part d'un projet que j'ai mis en place l'année dernière et qui va également s'étendre, évoluer, etc. Dans les prochaines années. Donc c'est tout simplement un fonds d'investissement que j'ai lancé tout récemment qui s'appelle Global Invest Capital Management. Donc c'est un fonds d'investissement que j'ai créé. Pourquoi? Parce que j'ai noté qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent investir en immobilier et même placer leur argent, mais qui n'ont pas tout simplement le temps de le gérer, le temps de le faire, fructifier leur argent, leur épargne, etc. Donc j'ai tout simplement décidé de répondre à ce besoin-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui Florian, j'aimerais investir en immobilier avec toi. » Ou j'aimerais investir en immobilier, mais j'ai vraiment pas le temps parce que voilà, j'ai des enfants, il y a ma carrière qui me prend du temps, je sais pas comment faire, j'ai pas le temps de me former, etc. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un fonds d'investissement qui va permettre aux personnes d'investir avec nous, Global Investisseurs, c'est-à-dire nous, de par les années, de par le réseau, de par les partenaires, les partenariats qu'on a noués, voilà, on a accès à énormément d'opportunités avant tout le monde. Donc ce qui nous permet d'être en avance par rapport à d'autres investisseurs ou à d'autres groupes d'investisseurs. Et ce n'est pas que en France ou au Québec, c'est également à l'international. Donc, j'ai décidé justement avec mon équipe de répondre à ce besoin-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce fonds d'investissement qui va permettre aux personnes désireuses d'investir en immobilier de façon indirecte, de le faire via le fonds d'investissement en fait. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on a accès à des deals, comme je l'ai dit avant tout le monde. Donc nous, on va nous proposer des deals de par les différents agents immobiliers qu'on a, de par les différents chasseurs immobiliers qu'on a un peu partout dans les différents pays sur lesquels on opère. Donc ces personnes-là vont nous proposer des opportunités. Donc avec mon équipe, on va faire quoi? On va évaluer un peu si c'est rentable, est-ce qu'il y a du cash flow, est-ce qu'il y a un potentiel de gain en capital à faire sur le court, moyen, long terme. Voilà, enfin, tout ce qu'il faut, enfin, on va s'assurer que tous les paramètres sont verts et on va investir tout simplement. Et qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que les personnes qui souhaitent justement avoir entre guillemets une part de cet investissement, déjà le fonds d'investissement, ça va être possible. Donc on a offert un fonds d'investissement qui réunit, là on est un peu moins de 10 investisseurs. Chacun met un apport, donc on a une société qui gère en fait ce capital-là pour mener à bien des investissements immobiliers. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les trimestres, les investisseurs touchent des intérêts. Donc, je peux te donner quelques chiffres. C'est qu'on a différents programmes qui te permettent en fait de toucher entre 10, voire même du 25% de rendement à l'année. Et les intérêts sont versés tous les 3 mois. Donc, moi-même, j'ai pris part dans ce fonds parce que voilà, ça me permet un peu de diversifier mon patrimoine, de faire des opérations à l'étranger. Parce que là, par exemple, on est en train d'investir à Bali, on réfléchit à investir également à Cancun avec un autre partenaire à moi. Raison pour laquelle je suis également ici, parce que je suis venu un peu en tant qu'éclaireur pour, en plus de profiter, faire également du business. C'est quelque chose qu'on a lancé tout récemment et ça fonctionne très bien. Donc, j'en parlais pas jusqu'à présent parce que voilà, on était un peu en phase de lancement, en phase de structuration. On attendait de faire nos premières acquisitions, donc là, c'est fait. On a plusieurs opérations. Sur cette année, par exemple, on a 6 opérations qu'on nous a présentées. Et rien qu'avec une seule opération, je peux te dire qu'on est très rentable. Et ça permet de payer largement les intérêts de chacun des investisseurs et d'être sûr d'avoir un ROI intéressant à la fin de l'année. Mais par exemple, cette année, on prévoit de faire entre 3 et 4 opérations sur les 6. Vraiment pour permettre à chacun d'en tirer profit
et bah, de ce qui générait des revenus passifs en fait. Donc c'est un modèle économique assez intéressant que je t'avoue que je me suis inspiré des Américains parce que tu as des investisseurs comme Grant Cardone qui a. Grant Cardone, si je ne connais pas, c'est un gros influenceur, gros investisseur immobilier. Voilà, il possède un parc de plus d'un milliard de dollars. Donc c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et que je. Voilà, que je suis de très près. Et voilà, j'ai essayé de faire le même type de montage. Et même si tu as regardé mes vidéos sur comment en fait je gère mes sociétés, comment est-ce que je gère mes investissements, comment est-ce que je m'étends vers l'international, c'est très similaire à lui en fait. Très similaire à lui. Pas que je le copie ou pas que je m'identifie à lui, c'est tout simplement quelqu'un qui m'inspire. Et je trouve vraiment la façon dont il gère ses business très 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 intéressante et c'est vraiment inspirant en fait, tout simplement. Donc j'essaie de copier, adapter, coller à ma manière en fait, comme j'aime dire. Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite vraiment à poser tes questions, mettre des commentaires. Comme je te l'ai dit, pour le moment, le groupe d'investisseurs, il est fermé. Voilà, on a déjà atteint l'objectif voulu, mais je ne te cache pas qu'il va sûrement y avoir des possibilités, des opportunités ouvertes à plus de monde. Donc c'est pour ça que je t'invite à rester connecté et à tout simplement poser tes questions, on y répondra sous peu. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu sais que ça intéresse un de tes proches, je t'invite à lui partager cette vidéo, à partager cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent investir, entreprendre en immobilier. Mets des commentaires, like, ça te fait pas de mal, ça prend juste 2 secondes. Et voilà, je t'invite vraiment à faire le nécessaire pour atteindre tes objectifs. Je te souhaite tout le meilleur et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à Cancun. Donc voilà, allez.